Bonjour. Bonjour et bienvenue à notre Café des sciences, édition francophonie. Mon nom est Félix Meusnant et je suis le directeur de Swiss Next China, le consulat scientifique de Suisse en Chine. Notre mission est d'établir des liens entre dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'innovation entre la Suisse et la Chine. Nous avons choisi le format de webinaire parce que nous pensons qu'il est important de célébrer le mois de la francophonie et de faire preuve de solidarité malgré la situation actuelle avec le coronavirus. Cette édition est co-organisée par les consulats généraux de Belgique et de la délégation générale Wallonie-Bruxelles, le consulat général du Canada, le consulat général de France, le consulat général de Luxembourg et Swiss Next China. Des scientifiques et startups sont invités de présenter leurs projets pendant ce webinaire. Notre modérateur est Gaëtan Messin, attaché scientifique au consulat de France et mon collègue. Il présentera les speakers. Avant de donner la parole au modérateur, je remercie mes collaborateurs Sissi, Percy et l'équipe SwissNext d'avoir organisé. Gaëtan, je te donne la parole. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci Félix. Bonjour à tous. Nous sommes très très heureux de vous voir aussi nombreux et le nombre d'ailleurs est en train d'augmenter. Nous avons beaucoup de participants. Vivante à Shanghai. Nous allons avoir cinq speakers qui vont, pour chacun des pays cités, la Belgique, le Canada, la France, le Luxembourg et la Suisse, venir faire des interventions. L'idée est que nous avons dans la communauté shanghaïenne un certain nombre de consulats qui ont des services sciences et technologies et donc et innovation, et nous avons invité des gens qui vont parler de leurs travaux, soit de recherche, soit de leur start-up. Chaque intervenant aura 8 minutes à sa disposition. Un petit peu avant la fin, je ferai signe pour dire qu'il reste que 2 minutes. Ça perturbera un petit peu le speaker, mais j'espère que ça ne les perturbera pas trop. Il faudra tenir le temps, c'est important. En bas de l'écran, pour le public, un espace est dédié aux questions. Vous pouvez poser des questions à la fin des interventions de chacune des cinq personnes. Nous reviendrons avec les questions que nous jugerons les plus intéressantes et nous essaierons d'y répondre. Voilà, nous allons donc commencer et je vais donner la parole au premier intervenant, Pierre Lebrun, qui est fondateur de Ichicare, une start-up à Shanghai et qui est basée à Shanghai, qui va nous parler tout de suite de sa start-up. Voilà, À vous, bonjour, est-ce Pierre. que tout le monde m'entend? Allô? Allô, est-ce que tout le monde m'entend? Allô? Oui, tout le monde On est tous en mute. Ok, ça va. Juste, je ne vois pas les slides. Ok, voilà. Donc, premièrement, bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Lebrun qui vient donc de Belgique. Cela fait maintenant presque 6 ans que je suis à Shanghai. Et donc, à la fin de mes études, j'ai décidé de réaliser donc ma start-up. Donc, ma start-up est donc Ichi-Airu, donc Ichi-Care en anglais. Donc, c'est une start-up qui vise donc à recycler donc les déchets animaliers ici à Shanghai. Donc, je vais donc passer par la première étape qui est donc l'introduction de ma boîte. Je crois que je ne peux pas naviguer via le PowerPoint. Ok, voilà, donc on est copyrighté. Voilà. Donc ma boîte Ichicare donc, est une boîte, donc, comme je l'ai précisé, qui recycle donc, les déchets animaliers à Shanghai. Il faut savoir que ma boîte vient à l'origine d'une initiative qui est donc gouvernementale. Donc le gouvernement ici à Shanghai a besoin de nouvelles sociétés donc, dans l'innovation qui permettent donc de pouvoir trouver une solution qui est adaptée à l'environnement des animaux de compagnie.
Pourquoi? Premièrement, parce que les animaux de compagnie à Shanghai, ils sont de plus en plus nombreux. Chaque année, il y a plus de 30% d'animaux de compagnie qui, donc, qui... Allô? J'ai un problème de connexion. Je ne vois pas les slides. Est-ce que tout le monde m'entend? Nous voyons bien les slides. Ok, ça va. Donc, les animaux de compagnie à Shanghai, il y en a plus de 30% par année. Donc, ce que nous avons développé, c'est une dog waste station. Donc, c'est une boîte qui permet donc de recycler tous les déchets animaliers donc, qui sont disposés à Shanghai chaque jour, chaque année. Et notre boîte vise donc à protéger l'environnement, donc à viser principalement une réduction des déchets de plastique qui sont présents ici en Chine. Donc, pour vous introduire donc la prochaine partie de notre boîte, prochain slide, je réalise que j'ai des problèmes. Ok. Donc, je vais continuer. Je vois que les slides m'ouvrent très lentement. Ok. Donc, pourquoi? Simplement parce qu'à Shanghai, il y a donc un problème et un risque de santé publique. Sachant que maintenant, il y a de plus en plus d'animaux de compagnie à Shanghai, de plus en plus de gens vont donc prendre donc, les déchets animaliers et les jeter dans les poubelles partout dans Shanghai. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a de plus en plus d'excréments qui sont donc en contact avec tous les différents types de déchets et nous aimerions trouver une solution à cela. Donc, le deuxième problème, c'est que les gens utilisent donc des sacs en plastique. Donc, ils ont besoin d'acheter des sacs en plastique afin de pouvoir disposer des excréments des animaux. Et ces sacs en plastique donc, sont à usage unique et sont jetés directement dans les poubelles publiques à Shanghai. Donc, nous visons aussi à réduire l'utilisation des sacs en plastique en les remplaçant donc par des sachets qui sont donc biodégradables et réutilisables. Donc, il y a aussi un problème de réglementation, sachant que si vous êtes donc un propriétaire de chien, vous êtes obligé de prendre donc les excréments et de revenir chez vous afin de les jeter dans les toilettes. Donc, c'est un problème qui est de l'ordre public, sachant que bon, les excréments vont donc infecter l'eau publique à Shanghai et cela peut donc augmenter donc la... Comment dire? J'ai du mal à parler en français depuis que je suis en Chine. Donc, augmenter un risque donc, de maladies, donc, de bactéries donc, qui sont donc en contact avec l'eau publique ici à Shanghai. Le quatrième point, c'est que les prix donc, des matériaux biodégradables sont trop élevés et ils sont assez inconnus du public. Donc, nous aimerions amener une solution qui est adaptée et qui peut donc permettre la révolution verte en Chine. Donc, sachant que nous sommes une organisation et une start-up qui donc participe avec le gouvernement ici à Shanghai, nous avons donc réalisé 5 tests. Nous avons donc installé 5 boîtes, donc 2 boîtes de premier type, donc qui étaient donc des prototypes, et 3 autres boîtes qui sont donc plus évoluées et en connexion donc avec notre téléphone. Donc, si les gens connaissent WeChat, vous pouvez ouvrir un mini-programme qui va donc pouvoir vous laisser avoir accès à notre boîte qui va vous distribuer donc un sac en plastique qui est recyclable et vous pouvez enfin disposer des déchets animaliers dans notre boîte qui est adaptée et qui permet donc le recyclage des déchets animaliers. Donc, voici 2 photos. La première, donc sur la première communauté, est notre prototype, le premier prototype qui a donc été réalisé il y a maintenant plus de 6 mois. Donc, le gouvernement de Chine nous a laissé accès à 2 communautés ici à Shanghai. Nous avons pu installer 2 premières boîtes donc pour pouvoir faire des tests, pour pouvoir voir aussi l'utilisation de la population, voir la fréquence d'utilisation et de savoir, de pouvoir calculer le nombre de kilos et de tonnes que nous pouvons récolter donc ici à Shanghai. La photo ci-dessous, c'est la 3e communauté. Donc, c'est une communauté qui est assez élevé. Donc, ce sont des gens qui ont un statut social un peu plus élevé, donc des officiels donc en Chine et des personnes, des représentants d'entreprise, des CEO. Donc, c'est un campagne qui est vraiment adapté pour donc, les officiels en Chine. Donc, nous avons donc pu aussi réaliser des tests pour savoir quel type de population est ouvert à notre initiative et quel type de personnes peuvent donc utiliser notre boîte. Savoir si c'est les personnes donc... savoir si c'est donc la population générale ou alors si notre produit répond à un certain type de personnes. Donc, notre nouveauté à l'heure actuelle, c'est d'installer une boîte qui est moderne. Donc, c'est-à-dire que les prototypes que vous avez donc vus dernièrement
Ce sont deux prototypes donc, qui sont faits de matériaux entièrement recyclables. Notre idée pour le moment, c'est d'installer une boîte qui est donc complètement moderne, qui utilise des matériaux qui sont donc recyclables. Et en fait, le principe, ce serait de pouvoir récolter un maximum de déchets à Shanghai afin de pouvoir participer à la transition écologique de Shanghai, qui est donc une initiative gouvernementale à l'heure actuelle. Il faut savoir que notre boîte donc, ne laisse pas d'odeur. Donc, si vous utilisez maintenant notre boîte, il n'y aura aucune odeur qui sera dégagée. Nous avons adapté notre container afin d'éviter donc, toutes les odeurs nauséabondes qui peuvent donc être dégagées de notre installation. En soi, pour utiliser notre boîte, il faut donc avoir accès à un mini-programme. Ce mini-programme donc, va vous permettre de vous connecter, de vous proposer d'avoir un sachet en plastique. Donc, vous cliquez sur un bouton qui va vous permettre d'obtenir un sac en plastique qui est entièrement recyclable et de pouvoir en soi les disposer directement dans notre installation. Donc, il faut savoir… Minutes. Ok, ça va. Donc, notre initiative donc, vise à la protection, à protéger donc, l'environnement ici à Shanghai et d'instaurer une nouvelle manière de recyclage des déchets, sachant que dernièrement, comme vous le savez tous, en Chine, il y a donc maintenant une classification des déchets. Ces déchets donc, entrent souvent en contact avec donc, les excréments des animaux et donc cela va dégager donc, un certain nombre de bactéries et peuvent contaminer donc, les produits, donc les déchets qui sont destinés à un recyclage. Par exemple, si c'est un recyclage des métaux, les métaux peuvent donc rentrer en contact avec les excréments des animaux et donc le résultat est que nous essayons d'éviter toute propagation d'un virus comme le virus qu'il y a à l'heure actuelle. Donc, nous avons observé que 40% des propriétaires ne respectent donc pas la loi. Donc, notre initiative, comme je l'ai dit, voilà. Donc, nous avons des sachets biodégradables. Ces sachets biodégradables donc, dans lesquels sont disposés donc, les excréments des animaux sont réutilisés dans les compounds ici à Shanghai. Ce que l'on fait, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes toujours en période de test. Donc, nous allons les enfouir dans le sol afin de pouvoir disposer des graines de fleurs. Nous voulons en soi embellir, disons, les compounds ici à Shanghai en trouvant une manière qui est adaptée et qui est un cycle général au niveau de gestion des déchets et de réutilisation des déchets. Donc, comme je l'ai dit, protection de l'eau publique. Il faut savoir qu'à Shanghai, il y a plus de 500 000 tonnes de déchets animaliers par an. Ok, donc Gaëtan, je pense que c'est la fin du temps, c'est ça? C'est ça. Ok, ça va, merci beaucoup. Écoute, merci à toi, Pierre, pour cette présentation très intéressante et qui donne l'occasion de voir l'intérêt de ce mois de la francophonie. Ça permet aux gens qui habitent à Shanghai, qui ne parlent qu'anglais ou chinois d'ailleurs, de pratiquer leur français une fois par an. Nous allons pouvoir écouter maintenant un autre accent, parce que la francophonie, c'est aussi des accents. Et je le dis avec d'autant plus de chaleur que j'adore cet accent. Nous allons écouter le professeur Louis Fradette, qui nous parle alors en direct de Montréal. Il est très tôt pour lui, qui est chef de département en ingénierie chimique à l'Institut polytechnique de Montréal et qui va nous parler de ses travaux de recherche qui sont liés, au problème du CO2 et de la pollution, évidemment. Donc, professeur Louis Fradette, nous vous écoutons. Donc, bonjour, merci pour l'introduction. Je vais simplement m'assurer que moi aussi, voilà. Donc, bonjour, je suis ici pour vous parler d'un projet mis en place par le gouvernement du Québec et Polytechnique Montréal depuis maintenant à peu près 18 mois. Et qui concerne non seulement la capture du CO2, mais sa conversion en produits à valeur ajoutée. Dans le contexte québécois, cette capture et cette conversion-là, l'idée, c'est d'implanter un cycle de carbone, un peu comme la nature le fait, avec la particularité qu'au Québec, on dispose d'énergie renouvelable, puisque à peu près 99% de l'électricité produite au Québec provient de sources renouvelables, étant essentiellement de l'hydroélectricité. L'endroit où l'électricité intervient là-dedans, c'est dans la production d'hydrogène. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Capter des émissions atmosphériques des grandes entreprises avec une technologie bien précise que j'expliquerai un petit peu plus loin, faire de l'hydrogène avec l'électricité dont on dispose en surplus actuellement et produire des produits à valeur ajoutée qui soient soit réutilisés comme combustible, soit
mis sur le marché. Donc, j'ai rajouté quelques slides là, qui seront disponibles pour les gens en guise d'explication par la suite. Mais l'explication qui se donne ici, simplement, c'est que je pense que vous connaissez tous le problème des émissions de CO2. Le problème, on parle de recherche, mais dans les faits, c'est en fait une démonstration industrielle qu'on fait et qui s'est implantée sur une ancienne raffinerie de l'est de Montréal. Il faut savoir qu'à Montréal, actuellement, il y a une seule raffinerie, qui est la raffinerie de Suncor. Il y a à peu près 25 ans, il y avait 6 raffineries dans l'est de Montréal. Donc, on se trouve sur l'un de ces anciens sites. Et actuellement, ce site-là ne fait que produire du paraxylène. Donc, ils ont eu la générosité de nous accueillir. Puis, ce qu'on voit sur la photo là, de la droite, non seulement on voit notre site, mais on voit aussi la cheminée de laquelle on peut tirer du gaz de combustion pour en capter le CO2. Donc, le procédé de capture qui est utilisé est un procédé de capture qui a été mis au point au Québec, qui a la particularité de fonctionner à très basse température, de l'ordre de 70 degrés Celsius. Donc, ce qui fait que les équipements peuvent même être construits en matière plastique ou en fibre de verre en français. Donc, et qui aussi, je dirais, beaucoup d'avantages environnementaux, c'est-à-dire que les émissions atmosphériques sont réduites. Il faut savoir que la capture du CO2 avec des amines, comme ça se fait à grande échelle à certains endroits sur la planète, ça génère une quantité impressionnante d'émissions atmosphériques. Donc, ces problèmes-là sont minimisés. Et c'est cette technologie-là qui est implantée sur le site à une échelle de 10 tonnes par jour. Donc, ici, sur la photo de droite, qui est l'unité de capture implantée. Et donc, on dispose de 10 tonnes par jour capturées d'une cheminée industrielle. Pour ceux que ça peut inquiéter, la capture de CO2 en plus de 18 mois n'a jamais perturbé l'opération de la chaudière sur laquelle la capture est installée. Donc, c'est souvent une réticence pour installer de la capture sur les équipements industriels. Donc, on peut dire qu'après 18 mois, il n'y a pas eu de problème particulier avec la technologie de capture installée sur la cheminée. La seconde partie du projet qui consiste à valoriser le CO2 a débuté par une étude entière donc de toutes les technologies qui étaient disponibles sur la planète et qui étaient évaluées sur 4 bases différentes et tout aussi importantes les unes que les autres. C'est-à-dire que d'abord, on regardait bien sûr la technologie comme telle avec ses fondamentaux, comment elle est, sur quelle théorie elle est basée. Et ensuite, le procédé dans lequel cette technologie-là devait être implantée. Donc, le niveau de complexité requis, les conditions de procédé, pression, température, par exemple. Puis, une étude économique sommaire servait aussi à évaluer les marges qui seraient potentiellement disponibles pour produire ces nouvelles molécules. Puis enfin, le potentiel réel de réduction des GES, puisque l'objectif global, c'est quand même de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a ces quatre grands critères ont servi à classer les 140 technologies qui avaient été repérées. De tout ce tri, il en est resté une douzaine, desquelles on a pu encore là converger sur deux qui sont plus précisément et qui sont actuellement en train d'être construites pour être implantées. Et donc, de ce qui a été fait jusqu'à présent, on se rend compte qu'il y a finalement deux grandes familles de valorisation du CO2. On peut appeler ça la famille de la minéralisation, donc d'inclure le CO2 capturé dans les produits commerciaux comme le béton, par exemple, ou les agrégats. Ça a l'avantage de demander à pas tellement de capital en investissement. Généralement, par exemple, pour une utilisation d'environ 20 tonnes de CO2 par jour, il faut moins de 5 millions d'investissements. Par contre, le produit final contient très, très peu de CO2, de l'ordre de 1 à 5 % en poids. Alors que si on opte pour des transformations chimiques, la transformation chimique, qu'elle soit faite par la chimie conventionnelle ou bien par des voies de type biologique, le produit final, lui, contient entre 50 et 100 % de CO2 dans le carbone qui est dans le produit final, peut être entre 50 et 100 % Oui, merci. Donc, entre 50 et 100 % de son poids peut provenir du CO2, avec la différence marquée qu'il faut de l'hydrogène pour faire cette valorisation-là, puis, et donc le prix ou le coût du produit final
est beaucoup plus élevé, de même que l'investissement qu'il faut faire pour arriver à mettre ces conversions-là en place. Ceci dit, la conversion chimique n'est pas moins intéressante que la minéralisation, c'est simplement que les barrières sont plus grandes. J'illustre ici par un exemple, le seul message important sur cette slide-là, c'est que pour valoriser du CO2, il faut d'abord se mettre dans un contexte parce que c'est toujours les solutions locales qui sont les plus intéressantes. Et dans l'Est de Montréal, une de ces opportunités-là était de faire de l'acide acétique pour faire en sorte que la chaîne du polyester soit alimentée. Donc, une des façons d'arriver à cet acide acétique-là était d'implanter d'abord un procédé qui nous permettait de faire à travers un reverse water gas shift, en anglais, je ne connais pas l'expression en français, d'obtenir un syngas pour faire du méthanol qui lui-même était transformé en acide acétique. Puis une deuxième voie qui consiste à faire du carburant pour les avions, donc à partir du CO2 lui aussi. Ces deux applications-là sont prévues pour être démontrées à l'automne de cette année. Le procédé a été testé, les performances sont là. Je vous disais qu'il y avait une douzaine d'autres technologies là, qui étaient en évaluation. Elles sont toujours mentionnées ici pour ceux que ça intéresse. Puis, le dernier défi, c'est l'hydrogène. Donc, d'obtenir de l'hydrogène avec très, très peu d'empreintes de gaz à effet de serre à un coût raisonnable reste un défi. C'est pour ça qu'on est partenaire avec Hydro-Québec, qui est le fournisseur d'électricité au Québec. Une des dernières façons intéressantes d'implanter ce type de procédé-là, c'est de remplacer des combustions conventionnelles par des carburants de synthèse, puis c'est une des dernières applications qui sera mise en application l'an prochain. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire sur la capture et la conversion du CO2 dans l'Est de Montréal, ici avec bien évidemment les bénéfices pour tout le monde qui participe au projet, que ce soit des partenaires industriels, les partenaires universitaires ou même les gouvernements lui-même. Merci. Merci à toi. C'était un discours très intéressant parce que ça permet de voir que, oui, le CO2 est un problème, mais si on est malin, on peut en faire quelque chose. Et bon, ça demande du travail et des études, c'est compliqué, c'est de l'investissement. Mais je retiens le fait que la solution doit être locale pour la réutilisation, mm-hmm. C'est un point important hein, quand même. On va passer au représentant français, Charles Barque, qui est fondateur et CEO de Ainunu. Ainunu, qui est une start-up installée à Shanghai, mais française, si on peut dire, qui s'intéresse au bien-être du troisième âge. Alors, Charles parlera plutôt de nos aînés, vous allez voir. Donc, je laisse la parole à Charles. Charles, c'est à toi. Bonjour à tous, je suis content d'être avec vous. Merci à l'organisateur SwissNext et aussi au consulat français de m'avoir invité à présenter notre solution. Donc, notre solution Ainunu est une solution qui permet d'aider effectivement les seniors à vivre en meilleure santé à la maison, mais aussi d'aider aussi leurs enfants qui vivent comme moi, loin de ma mère et qui se posent la question comment aider nos parents quand on vit loin d'eux et qu'on est souvent en déplacement et surbooké dans nos activités au quotidien. Donc, notre start-up a fait l'objet de 12 ans de recherche dans 4 pays, aussi bien aux États-Unis, au Canada, en France et en Chine, pour répondre à cette question. Quel est le problème que nous essayons de résoudre ? C'est un grand problème qui touche pas seulement la Chine, mais aussi beaucoup de pays. Le problème en fait des seniors, parce que comme vous le savez, la Chine a beaucoup de seniors. En 2015, on en comptait 209 millions. En 2018, il en existe 250 aujourd'hui. Et cette tendance est croissante puisqu'en 2050, presque un habitant sur deux en Chine sera senior au-delà de 60 ans. Ça pose un problème parce que aujourd'hui, 75% des seniors ont au moins une maladie chronique, ce qui donne un chiffre de 180 millions. Et la question, c'est comment nous, Ainunu, nous essayons de nous positionner au niveau de digital health et des solutions que nous apportons à la maison. En fait, notre solution a nécessité beaucoup de R&D parce qu'elle a pour but non seulement d'aider les seniors à la maison à vivre longtemps, mais aussi heureuse. Et d'un autre côté,
comment il est possible à ceux qui sont les aides-soignants, principalement leurs enfants, mais aussi tout ce qui est professionnel de soins à la santé, comment est-il possible de les regrouper dans un écosystème et dans une plateforme qui peuvent aider à apporter cette solution aux seniors de manière à diminuer les risques des maladies chroniques? Alors, notre solution, elle est tout simplement dans une seule boîte ici. C'est un wellness kit. Elle se compose de 3 différentes parties et ces composants sont en fait permettent d'avoir de nombreuses data qui, en fonction de ces data, sont analysées et puis ensuite derrière peuvent aider à avoir une visualisation des risques et ensuite un meilleur service customisé sur le senior ou le patient atteint d'une maladie chronique. Donc, alors, quels sont ces 3 éléments? Premier élément, c'est le DNA testing. Donc, c'est quelque chose que l'on peut faire en Chine, qui n'est pas forcément autorisé partout, mais qui nous permet d'évaluer les top 12 risques des maladies chroniques, les 12 serial killers des maladies chroniques en partant de maladies cardiovasculaires et du diabète. Et une fois qu'on a cette topologie de l'évaluation des prédispositions des risques à ces 12 maladies, on passe au deuxième élément qui est la santé connectée qu'on utilise avec les IoT MedTech. Donc, c'est lié avec une app qui s'appelle HiNuNu qu'on peut télécharger sur le Marketplace de Apple. Et ensuite, on les connecte avec différents IoT MedTech qui sont Blood Pressure, le tensiomètre, l'oxymètre, et vous avez aussi différents objets connectés en fonction des pathologies. Ça peut être le glucosemètre ou ça peut être aussi l'électrocardiogramme s'ils sont hypertendus. Et ensuite, vous avez un autre service qui est le troisième service qui est la partie protection. Donc, nous sommes en partenariat avec AXA, mais aussi l'AXA chinois qui s'appelle Ping An pour délivrer une télémédecine 24/7 accompagnée d'une assurance accident et décès jusqu'à 100 ans, qui est une innovation aussi en Chine parce qu'on peut aller très loin sur la partie accident et décès. Comme nous avons l'expérience de la partie télémédecine à la maison, nous avons aussi développé rapidement ces kits anti-Covid à cause de la situation mondiale. Et nous avons un premier pack ici qui se compose de simplement ce que kit de survie, c'est-à-dire de masques et aussi de sanitizer pour les mains. Et nous avons aussi la partie monitoring à la maison avec l'autotensiomètre et l'oxymètre associé avec le kit de survie. Donc, vous avez bien compris aujourd'hui, HiNuNu, ce n'est pas simplement un mobile phone avec des outils connectés, c'est surtout une plateforme préventive qui nous permet aussi de connecter des acteurs dans cet écosystème et qui permettent d'aider le senior et sa famille à avoir une meilleure santé en collectant les données qu'on analyse, en faisant passer nos algorithmes et si cela nous permet de diminuer les risques des maladies chroniques. Voici un exemple de projet que nous développons en Chine, qui est le plus gros projet en home senior care dans la province du Guizhou, avec laquelle nous sommes inclus avec d'autres partenaires de santé et qui va développer en fait une meilleure pratique de soins à domicile dans cette province qui se situe dans le centre de la Chine. Pour ce qui est de nos milestones, nous avons eu le plaisir et l'honneur de répondre en fait à cette compétition mondiale de chez Bayer. Et à la suite de cette compétition avec 130 startups, nous avons eu le plaisir d'être nommé la meilleure start-up en digital en Chine. Et nous avons consolidé notre recherche avec le gouvernement français grâce au président Macron qui nous a permis, avec la ministre de la Recherche, Madame Vidal, de se connecter au CNRS et d'avoir le support du CNRS. Donc là, c'est pour mettre en évidence qu'une start-up aussi a besoin d'une relation avec le gouvernement au niveau de la science, au niveau de la technologie. Et plus nous sommes en relation ensemble, meilleur sera notre service pour aider le monde à avoir une meilleure santé. Et nous voulons terminer ici avec un petit clin d'œil avec la Suisse,
Nous avons eu le plaisir d'être invités à Swisscom, à l'ouverture de Swisscom. Et notre service n'est pas simplement franco-français ou en Chine, mais nous avons le plaisir aussi de pouvoir rayonner. C'est pour ça que grâce à ce rendez-vous-là, nous avons pu aller en business trip quand c'était possible le mois dernier en Suisse. Et nous commençons déjà à développer une relation avec un grand groupe pharmaceutique en Suisse, à Genève. Merci beaucoup donc pour le Café des Sciences. Merci aussi pour le Consulat de France qui nous a choisis. Et nous sommes très heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Et si parmi certains d'entre vous, vous désirez améliorer la qualité des soins à domicile pour les patients atteints de maladies chroniques ou les seniors, c'est avec grand plaisir que nous pourrons développer une collaboration avec vous. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Charles. Pile dans les temps, même avec 11 secondes d'avance, formidable. Très belle initiative, hein, s'occuper de nos anciens, c'est quelque chose d'important. Le faire avec de la haute technologie, de l'intelligence artificielle, des technologies d'assurance, de fintech, tout ça est très intéressant. Et le faire en Chine, en plus, bon, c'est formidable. Nous allons passer à l'intervenant suivant, qui représente le Luxembourg, Romain Dittgen, qui va nous parler de Hong Kong. Et qui est chercheur postdoctoral, qui s'intéresse à des choses qui sont liées aussi à l'Afrique. Donc, il ne passe pas tout son temps à Hong Kong, il voyage aussi. La parole est à toi, Romain. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, je vous parle de Hong Kong. Je suis géographe de formation et urbaniste, et ça fait un petit moment que je m'intéresse à des questions de changements sociétaux en Afrique subsaharienne. Et notamment, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, ce sont le rapprochement entre la Chine et différents pays africains. Et c'est souvent un thème qui est assez à la mode, mais en même temps, c'est également un sujet qui s'avère souvent assez mal compris et qui rentre facilement dans des stéréotypes et qui s'apprête à une lecture binaire avec des rapprochements avec des thèmes comme de l'hégémonie, néocolonialisme, etc. Donc, ce que j'aimerais bien aborder aujourd'hui, c'est plutôt une autre façon de lire et de comprendre ce phénomène d'un point de vue spatial, puisque je suis géographe de formation, et de voir comment ce phénomène s'articule à la fois pour comprendre cette manifestation d'une Chine globale, globalisante et globalisée, en lien avec des phénomènes de changement dans des environnements urbains, notamment en Afrique australe. Donc, je vais aller trop vite. Donc, tout d'abord, toujours ces échanges se traduisent par des échanges bilatéraux commerciaux qui ont fortement augmenté depuis le tournant des années 2000 du siècle. On est passé de 10 milliards en 2000 jusqu'à 10 milliards US de dollars américains à 185 milliards de dollars américains en 2018. Même chose aussi pour les investissements directs à l'étranger. On est passé d'un stock de IDE de 75 millions de dollars en 2003 à 5,4 milliards de dollars en 2018. Donc, il y a aussi cette empreinte qui devient de plus en plus visible. Et c'est aussi, d'un point de vue spatial, cette empreinte d'investisseurs chinois, d'entrepreneurs, d'une présence socioculturelle et économique qui se traduit aussi dans des espaces urbains. Et donc, quand on parle de... il y a une certaine anxiété, de questionnement, de conclusions faciles qui se met en place assez souvent, que ce soit dans les médias ou parfois aussi dans les recherches, de parler d'une traduction, d'une manifestation d'un urbanisme chinois qui se traduirait dans des phénomènes, dans des réalités africaines. Là, il y a un exemple de Kilamba Kiachi à la sortie d'Angola, qui est souvent perçu comme étant un modèle d'une transplantation d'une nouvelle ville chinoise dans un contexte africain. Moi, ce que j'aimerais bien, j'aimerais plutôt aborder ce sujet d'une autre façon, de voir comment se déclinent, s'articulent ces complexités et ces différents niveaux de lecture entre ce phénomène et ces changements dans différents contextes. Donc, c'est un projet que je mène en collaboration avec un architecte et urbaniste zambien et un photographe sud-africain, dont vous pouvez voir les photos. Et donc, nous nous intéressons vraiment à sortir
de ces catégories fixes et rigides, notamment dans la façon dont ces espaces chinois sont souvent étudiés et analysés. On les aborde souvent sous l'angle de l'ethnicité, de l'altérité, de l'exceptionnalisme. Et donc, on aimerait bien sortir de ces catégories pour voir comment on peut étudier ces espaces comme étant des objets d'études ordinaires, en fait, à part entière, et de voir à travers cette entrée beaucoup plus large, voir comment cette spécificité se construit en lien avec des phénomènes beaucoup plus larges. Donc, j'aimerais bien vous parler de quelques exemples pour vous illustrer un peu ce phénomène. Donc, nos travaux portent sur Johannesburg en Afrique du Sud et sur Lusaka en Zambie. Et j'aimerais bien vous parler de quelques exemples à Johannesburg pour montrer comment ces analyses rentrent souvent sincères dans des phénomènes beaucoup plus complexes. Donc, à Johannesburg, il y a un certain nombre de centres commerciaux qui sont gérés par des Chinois, il y a une vingtaine, etc. C'est depuis le début du XXIe siècle, il y a un certain nombre de Chinois, de grossistes qui sont implantés à Johannesburg parce qu'il y avait un manque de produits à prix abordable et en termes de quantité. Donc, ils ont commencé à ouvrir ces malls. Sauf que ces malls, qui sont souvent étudiés comme les représentants de la mondialisation par le bas, sous des signes d'informalité, etc., il y a aussi ces malls se sont beaucoup adaptés à des réalités qui ont changé. Donc, il y a eu de plus en plus de concurrence avec l'entrée de franchises et de commerces sud-africains qui, eux aussi, importent des produits de Chine. Et ces espaces ont beaucoup changé dans la mesure où ces grossistes ont dû changer du commerce de gros vers de la vente au détail, mais aussi, quand on y entre dans ces espaces, il y a de plus en plus d'entrepreneurs non-chinois qui en font partie également. Il y a toute une gamme de Sénégalais, d'Éthiopiens, de Pakistanais, etc., qui ont pris part de ce marché. Donc, c'est, encore une fois, c'est un phénomène qui est visible de façon beaucoup plus large dans l'espace de Johannesburg. Deuxième exemple étant... j'arrive plus à manipuler le PowerPoint. Il te reste 2 minutes. Donc, excusez-moi. Donc, un exemple très rapide par rapport à une rue à l'est de Johannesburg qui est devenue une rue avec une implantation de présence chinoise assez forte, etc. Et donc, encore une fois, dans les recherches, souvent, on parle d'une enclave ethnique, etc., mais qui, souvent, certes, il y a une présence chinoise très forte, mais aussi qui, la lecture sous la forme d'enclave ethnique ne permet pas vraiment de visionner toutes les complexités qui se passent dans cette banlieue de Johannesburg, notamment que ce soit en termes de densification de ces quartiers. Il y a des banlieues qui deviennent de plus en plus denses en termes de lieux d'habitation. Il y a des usages mixtes, etc. Il y a aussi ces appartements qui sont occupés sous différentes formes. Et c'est des phénomènes qu'on observe dans plein d'autres quartiers à Johannesburg. C'est juste parce que les enseignes sont écrites en caractère chinois, on oublie souvent d'avoir une lecture beaucoup plus approfondie par rapport à ces changements qui s'opèrent dans ces espaces. Finalement, à Lusaka, je passe très rapidement parce que je n'ai pas le temps, la présence chinoise, elle est très forte dans le milieu de la construction. Sauf qu'on voit toutes sortes d'enseignes avec les caractères chinois, etc., mais les compagnies de construction chinoises, en gros, souvent, ne sont que les contractuels. Donc, ils sont des prestataires de services qui mettent en place des idées qui sont conçues par d'autres personnes, par des capitaux zambiens ou autres, etc. Donc, encore une fois, il s'agit vraiment de dissocier qu'est-ce qui est en lien avec le capital chinois, qu'est-ce qui est vraiment une manifestation dans les espaces urbains qui vient de la Chine et qu'est-ce qui est vraiment mélangé par rapport à des phénomènes urbains beaucoup plus larges. Donc, je suis passé très rapidement sur ces sujets. Si jamais vous êtes intéressé par ces questions en plus de profondeur, je vous propose peut-être d'aller voir un numéro spécial qui a été publié récemment, que j'ai coordonné avec
mon collègue zambien, qui parle avec plus de détails sur ces questions entre les manifestations de la Chine globale et des changements, des transformations dans des contextes urbains en Afrique subsaharienne. Je vous remercie. Merci, merci Romain. Alors, finalement, on a beaucoup parlé de changement. Il y a eu le changement climatique, hein, les déchets, le traitement du CO2, les déchets animaux, qui touchent aussi les questions du changement climatique, de notre environnement, etc. Le vieillissement de nos populations, qui est aussi un des problèmes de changement majeur, le changement dans la manière dont fonctionnent les sociétés. On va venir avec quelque chose d'autre maintenant, qui est une autre forme de changement, c'est qui est lié à l'apparition de l'intelligence artificielle. Matt va nous parler de ce que la nouvelle technologie de l'intelligence artificielle apporte pour les diagnostics de soins de santé. C'est un autre sujet qui est à mi-chemin entre la recherche et finalement maintenant l'innovation. Donc, il va présenter sa start-up. Matt parle pour la Suisse. C'est à toi, Matt. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Matt Moravski. Je suis un des cofondateurs de DeepCube avec notre siège à Lausanne. Donc, tout d'abord, peut-être, j'aimerais vous poser une question, juste à réfléchir. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation de confusion médicale ou autrement une mauvaise diagnostic? Sinon, peut-être vous avez lu ou vous avez entendu quelqu'un d'autre qui l'a vécu. Alors, malheureusement, pour votre information, peut-être vous le savez déjà, ça se passe tout le temps dans le monde entier, en fait, la mauvaise diagnostic ou la confusion. Et dans ce cas-là, nous aurons espéré en fait à savoir le plus tôt possible que ça soit une bonne ou mauvaise diagnostic. Donc, parce que le temps est très très précieux s'il s'agit de diagnostiquer des maladies graves comme cancer. Alors, chez DeepCube, on fait tout ce qu'on peut pour améliorer ce diagnostic et pour le faire en temps réel. Donc, nous, on se spécialise dans l'intelligence artificielle, et dans dermato-oncologie, et tout précisément en fait pour diagnostiquer en temps réel multiples maladies de la peau. Là maintenant, ok, c'est bon. Donc, je vais passer directement au problème. Donc, le problème, c'est le temps. Parce qu'en fait, personne ne va attendre aujourd'hui les jours, les semaines ou les mois en fait, pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Ou soit pour faire les tests comme biopsie ou d'autres tests à laboratoire. Malheureusement, les mauvaises diagnostics, donc misdiagnosis, ça représente encore un grand chiffre. Donc, c'est pour non-mélanome, c'est 3 à 4 personnes sur 10 ou 1 à 2 personnes pour mélanome. Spécialiste, c'est encore un grand problème parce qu'aujourd'hui, les spécialistes ne sont pas assez nombreux par rapport à notre population qui grossit et qui grandit très rapidement. Donc aujourd'hui, on a un spécialiste à peu près pour 6600 patients. Donc la solution aujourd'hui, c'est faire un check, une vérification, un triage au niveau des généralistes pour que les généralistes puissent envoyer les patients seulement malades aux spécialistes. Aujourd'hui, comment ça se passe, c'est qu'aujourd'hui, environ 80% des patients que spécialistes reçoivent de la part des généralistes, ce sont les patients qui n'ont rien du tout, en fait, qui sont pas malades, qui n'ont pas de problème de la peau. Donc, autrement aussi, pour la solution, c'est pour augmenter la précision avec notre intelligence artificielle jusqu'au 99%. Et pour se stabiliser à 99, aujourd'hui c'est 64 à 65. L'écart il est très grand parce que quand on parle de non-mélanome comme BCC, ça représente 64-70%. Il faut savoir que c'est mélanome, non-mélanome et cancer, il représente environ plus que 50% de toutes les maladies de la peau. 80-85, c'est plutôt pour les mélanomes, donc ça va un peu mieux. Et puis bien sûr, pour faire tout en temps réel. Donc, le produit, c'est aujourd'hui notre microscope avec CE Mark et Swissmedic que vous voyez sur la photo. Donc, tout simplement, c'est un microscope. Je vais peut-être passer directement aux vidéos. Voilà. OK, ça marche. Donc, c'est très simple. Donc, vous mettez ce microscope à n'importe quelle maladie de la peau et vous voyez en temps réel qu'est-ce que c'est et sur quel pourcentage et quelle précision.
Dans ce cas-là, c'est NV, donc c'est Nevus, donc ça veut dire beauty mark. Donc c'est totalement, totalement positif. Je passe au slide suivant. Donc ça, c'est notre produit pour les généralistes. Donc ce qu'on offre uniquement, c'est bien sûr pour faire ça en temps réel, avec la précision plus que 90%, et que ce soit un portable, que ce soit un device portable. Notre target, bien sûr, ce sont les généralistes et les hôpitaux. Et autant milestones, j'aimerais bien dire ce qui est très important, et qu'on a un contrat de 10 ans avec CHU Saint-Étienne, qui est notre bêta tester, qui va faire une validation clinique cette année. Aussi, l'année passée, on a eu l'acquisition d'un des startups qui est spin-off de EPFL, ici à Lausanne. Et puis, on est en cours de signer et finaliser en fait une collaboration avec les Émirats pour tout l'ensemble de pays, pour commercialiser tout, dans tous les pays de GCC, donc les pays de Moyen-Orient. Voilà, sur le marché, en fait, je ne vais pas passer très longtemps, mais malheureusement, ces dernières années, en fait, les chiffres augmentent considérablement pour mélanome et non-mélanome. Et tout notre marché, donc, comme vous voyez, en fait, tous les pays sur côté gauche, en fait, ce sont les pays qu'on vise plus tard, mais en premier rang, on attaque les États-Unis, l'Australie et les Émirats pour les questions de remboursement, tout simplement. Et notre business model, donc encore une fois, les hôpitaux et les généralistes, et les prix pour notre device, c'est 6000 francs suisses. Bon, je vais accélérer. Et pour les généralistes, on estime qu'on peut atteindre 0,5% de la totalité de ces trois pays, trois régions en fait qu'on vise, et les hôpitaux 1%, et ce qui donne en fait le minimum chiffre 40 millions francs suisses au taux de revenu en 2025. Et ça, c'est notre minimum estimatif. Et autant la compétition, comment on se positionne, c'est très important. La majorité, la grande majorité, et ce sont des compétiteurs qui font B2C. Donc, c'est plutôt les applications. Les applications, ça évite un peu la consultation avec les médecins. Ce qu'il faut savoir, c'est diagnostic, c'est un acte médical. Donc, on ne peut pas diagnostiquer tout seul. Et puis, en plus, on a tous différents portables, différents smartphones, différentes luminosités, différents angles pour prendre une photo. Donc, la précision peut être discutable. Et puis, si quelque chose ne se passe pas bien, qui est responsable pour ces mauvaises décisions. Donc nous, bien sûr, DeepCube avec DermoSafe, c'est l'acquisition qu'on a fait l'année passée, on fait notre device que pour les professionnels. Ça, c'est un roadmap, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. On est au niveau de la certification aux Émirats, et puis à la fin d'année avec CHU Saint-Étienne en France. On a commencé au mois de mars 2018. Aujourd'hui, on augmente jusqu'aux 10 classes, et parce qu'on a 7 classes aujourd'hui, on va augmenter jusqu'aux 10 classes, et puis exit, on planifie pour 2024. Voilà notre team pour aujourd'hui. Et voilà, il ne me reste pas beaucoup de temps. Et puis ça, c'est important, je voulais vous parler des prix, notre prix. Donc notre CTO, notre ingénieur CTO, en fait, qui est gagnant de 2017-2018, un des plus gros concours internationaux dans deep learning sur l'analyse des images et des vidéos. Moi-même, j'ai eu de la chance de gagner en fait Pitching Night à CES Asia l'année passée à Shanghai. Et puis, deuxième place pour World AI Conference sur 600 startups environ. Et voilà où nous sommes basés aujourd'hui. Et puis, notre supporter. Voilà, notre supporter et collaborateur en ces moments. Donc voilà, donc je pense que j'ai dépassé mon temps. Merci beaucoup pour l'écoute. Je n'ai pas à poser de questions. Merci beaucoup. Alors on va passer à des questions. J'espère qu'on m'entend toujours. Je vois connexion internet unstable. On a reçu un certain nombre de questions. Alors on peut commencer peut-être par la fin, puisqu'il était en ligne. Matt, quels sont les principaux obstacles rencontrés par DeepCube dans le cadre de votre R&D? Les obstacles.
il n'y a pas d'obstacle, il n'y a que des solutions. Mais les difficultés qu'on a, bien sûr, moi je dirais, c'est être rapide et gagner beaucoup de temps parce que, en fait, dans le domaine médical, malheureusement, et les processus, tout est très, très, très lent, en fait. Donc, mais bon, en parlant de R&D, c'est pas avoir assez de data, assez de données. Aujourd'hui, notre donnée, en fait, il vient que simplement des 3 hôpitaux européens, 2 hôpitaux en France et puis un hôpital en Belgique. Et donc, voilà. Donc, au niveau des obstacles, c'est le seul obstacle, je dirais, qu'on a ou difficulté, en fait, pour ne pas avoir assez de données rapidement possible, voilà, assez rapidement possible. Alors, comme on est en Chine, j'embraye sur une autre question qui me vient tout de suite à l'esprit avant de passer à quelqu'un d'autre. C'est, en Chine, il y a beaucoup de données et il y a sans doute une difficulté qui vous empêche de venir sur le marché chinois, non ? C'est le temps. Je suis déjà venu plusieurs fois et j'ai discuté avec 2-3 hôpitaux là-bas et malheureusement, pour aujourd'hui, notre classification, dans notre 7 classes qu'on a aujourd'hui, il est basé en fait sur les difficultés et les maladies plus fréquentes en Europe. En Chine, ça se passe un peu différemment. Donc, en Chine, on aimerait bien, puis on planifie commencer notre activité. Mais aujourd'hui, on n'a pas une collaboration développée avec un hôpital. On a parlé, en fait, avec 2 hôpitaux, comme je vous avais dit, mais ce qui est important, c'est qu'ils ne collectionnent pas. Ils ont un grand chiffre de patients, beaucoup plus grand qu'en Europe, bien sûr, mais ils n'ont pas vraiment les données du passé, en fait. Donc, si on commence la collaboration aujourd'hui, on va avoir des données qui vont être préparées pour nous à partir d'aujourd'hui, en fait. Ils n'ont pas vraiment de bonnes qualités de données du passé, en fait, ce qui est très dommage parce qu'autrement, on pourrait parler des millions, des milliards de données, en fait. Voilà, donc on travaille là-dessus pour développer ces collaborations, mais pas, c'est pas aujourd'hui. Merci Matt, ça donne beaucoup d'espoir sur plein de développements ici. Une question pour Romain. En fait, il y en a même 2. Quelle est la réception, l'accueil de la population locale vis-à-vis des projets d'urbanisation ? Ça dépend vraiment des contextes, en fait. En gros, ce que je voulais dire en Zambie, c'est que souvent, les projets qui sont mis en place, ça peut passer des matériaux de construction jusqu'à la construction de nouvelles villes. Donc, c'est vraiment, on a un éventail qui est très large. Et dans certains cas, comme en Angola, par exemple, mais aussi en Zambie, ces projets sont par moments ciblés comme critiques envers le gouvernement en place, hein, puisqu'ils sont... Certains projets sont vus comme n'étant pas forcément prioritaires, donc ils sont mis parce qu'ils sont par la demande des chefs de gouvernement, etc. Et donc ils ne reflètent pas ce qui est vraiment nécessaire. Après, quand on parle de centres commerciaux, c'est l'accès de grossistes de commerce en gros. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en bénéficient. Donc c'est vraiment, ça dépend vraiment de où on est et de quel projet il s'agit. Merci. Alors, j'ai une autre question qui est un petit peu différente sur ces changements sociétaux. Quelqu'un fait référence aux centres commerciaux chinois en Afrique du Sud. Et alors, est-ce qu'on n'a pas le même genre de choses comme des centres commerciaux américains en Europe ou des malls européens en Chine qu'on peut étudier de la même manière ? En fait, ce n'est pas forcément la même chose. Ça a commencé quand on parle de centres commerciaux ou de malls. À la base, c'était plutôt des magasins pour le commerce de gros, où il y avait 2-3 échantillons et puis le reste du magasin était rempli de boîtes. Donc, c'était censé vraiment comme un centre de distribution, en fait, plutôt, vers la région, voire aussi localement. Et il y a plein de gens, que ce soit des locaux, d'autres migrants, etc., qui s'insèrent aussi dans ces dynamiques. C'est juste que depuis 2010, il y a de plus en plus de franchises locales qui sont aussi rentrées dans ce domaine, qui proposent des produits à des prix plus abordables, qui ont fait en sorte que ces malls ou ces centres de distribution à la base ont dû changer de modèle aussi. Donc ces commerçants chinois à la base grossistes, qui distribuaient des conteneurs, etc., ont dû commencer aussi à vendre des quantités à
des produits à des quantités beaucoup plus limitées. Donc, ça change vraiment cet environnement aussi. Donc, certes, on peut y aller pour acheter 2-3 choses, mais c'est plutôt ciblé pour des commerçants, des entrepreneurs qui veulent s'approvisionner en biens. Donc, de cette manière-là, c'est quand même un peu différent du mall style américain. D'accord, merci. Alors, il nous reste combien de temps? 5 minutes. On a encore droit à quelques questions. Hein. Une question pour Charles. Qu'est-ce qui rend généralement les personnes âgées heureuses, Charles? Et en travaillant avec et pour les personnes âgées, avez-vous découvert quelque chose qui ne soit pas possible autrement, comme une vision différente de la vie? Merci pour cette question. Donc, qu'est-ce qui rend les personnes âgées heureuses? C'est un grand débat. Il y a beaucoup de choses. La première chose qui est évidemment importante, c'est la santé. Parce que quand on sait que 75%, et ça, ce n'est pas qu'une statistique chinoise, c'est globalement dans le monde, entre 60-70% d'entre eux ont au moins une maladie chronique. Pour les plus répandus, sont le diabète et l'hypertension. À partir du moment où on est atteint de ce type de maladies qui sont dégénératives et qui sont chroniques, c'est difficile d'être vraiment heureux et de vivre en indépendamment le plus longtemps à la maison. Ce qui est intéressant aussi de savoir en parlant de bonheur, c'est que toutes ces maladies sont préventives. C'est-à-dire que l'OMS dit que 80% des maladies chroniques et 40% des cancers peuvent être prévenus si on agit sur les facteurs risques qui sont globalement la nutrition et aussi le fitness. Maintenant, si on est capable d'avoir plusieurs données qu'on récolte avec les devices à la maison, il est possible du coup de pouvoir apporter une vision sur la santé et diminuer ses risques. La deuxième question, Gaëtan, excuse-moi, tu pourrais la répéter, s'il te plaît? Alors, c'était la deuxième partie de la question. C'est en travaillant avec et pour des personnes âgées, avez-vous découvert quelque chose qui ne soit pas possible d'avoir découvert autrement, une vision différente de la vie? Est-ce que tu as appris quelque chose des personnes âgées, finalement, hein? Quelle sagesse t'ont-elles apporté? Moi, ce que j'ai appris, c'est surtout, en fait, et surtout ici en Chine, ce lien familial qui est très, très fort entre les parents et la responsabilité des enfants envers leurs parents. Ça m'a assez marqué par rapport à ce que moi, je connais de l'Occident. Je suis né à Paris, j'ai été éduqué, donc tout le monde, on est français. Et j'ai appris cette solidarité, en fait, filiale, cette piété filiale qui est assez forte. Et quand on sait que 60% des seniors aujourd'hui se trouvent seuls en Chine et que beaucoup leur unique enfant sont partis loin, ce que j'ai appris au travers de ce bonheur ou de ces recherches, c'est que quels que soient les devices, la technologie, le AI, on reste sur les invariants que sont les relations piété filiale, l'amour, l'affection. Et ça ne doit pas esquiver le côté technologie. C'est pour ça qu'il faut, nous, en tant que provider de technologie ou de solutions à la maison connectée, rester toujours centrique sur l'humain. L'humain avec le senior, avec les enfants, mais aussi avec les caregivers. Merci Charles. Encore peut-être une dernière question, parce qu'on arrive à la fin. Alors, c'est une question qui a déjà plus ou moins été posée en ligne. C'était pour Pierre Lebrun. C'est un peu sous une autre forme. Est-ce que les déchets animaux peuvent être une cause de propagation de virus ou peuvent générer des maladies? Alors oui, en effet. Simplement par le recyclage des déchets, comme on sait en ce moment à Shanghai, il y a donc la classification des déchets. Donc, sachant que, par exemple, il y a les déchets donc, qui sont destinés pour le compost, donc la nourriture, les végétaux, les fruits, tout ça. Donc, il y a un problème au niveau du recyclage, surtout au niveau des composts, sachant que les déchets animaliers doivent respecter
un certain taux au final. Donc, on ne doit pas, par exemple, si on veut maintenant composter les déchets, il doit y avoir un certain taux de déchets animaliers qui doit être respecté. Alors, c'est de 20%, 20 à 23%, je ne me rappelle plus exactement du nombre, premièrement. Et deuxièmement, au niveau de l'eau, en fait, de l'eau publique, sachant qu'il y a de plus en plus maintenant d'animaux de compagnie à Shanghai, il faut surtout éviter tout contact avec l'eau, sachant que chaque gramme d'excréments contient 23 millions de bactéries. Donc, si vous multipliez cela par le nombre d'animaux de compagnie maintenant à Shanghai, qui est alors de 5 millions, c'est entre 4 et 5 millions d'animaux de compagnie à Shanghai, sachant que ce nombre est en augmentation croissante, donc il y a plus de 30% d'animaux chaque année de compagnie à Shanghai. Le gouvernement est à l'heure actuelle en train de trouver une solution pour justement recycler ces déchets et principalement de les réutiliser. Voilà. Donc, s'il y a une autre question, on peut me la poser directement via la question-réponse. Merci. Merci, merci. Et puis, on va finir avec une dernière question qui est une question vraiment rhétorique, pour ainsi dire, pour Louis Fradette. On est aujourd'hui en train d'essayer de réduire nos émissions de CO2. Il y a des voitures électriques, il y a des énergies renouvelables, il y a tout un tas d'initiatives. La question n'étant pas de savoir si ça va marcher ou pas, mais imaginons que ça marche très bien, ça va prendre longtemps, et qu'il n'y ait plus d'émissions de CO2. Qu'est-ce que vous allez devenir avec vos solutions de récupération du CO2? Faudra-t-il, à ce moment-là, produire du CO2 exprès pour pouvoir le récupérer? Si on développe une économie entière sur ce qu'on appelle la chimie verte maintenant, donc de toute façon, des combustions, on va continuer à en faire. Ce que les humains font mieux, c'est brûler des choses. C'est globalement des émissions de CO2, il y en a toujours, mais il ne faut surtout pas croire qu'on arriverait à réduire nos émissions à zéro. Ceci dit, je pense que l'établissement de boucles chimiques va faire en sorte qu'on va simplement réutiliser le même carbone, et là-dedans, il y a la capture et la conversion qui est inclus. L'avenir n'est pas sombre, même si on arrivait à réduire notre utilisation de sources fossiles. C'est comme ça la réponse la plus simple qu'on peut faire à ce type de question-là. Ce serait un rêve d'arriver à ça. Ce serait un bel avenir pour notre planète. Merci. Écoutez, merci à tous. Je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. On a eu beaucoup de monde, je crois plus de 60 personnes au pic. Un grand merci à tous les intervenants. Un grand merci à Pierre Lebrun de Belgique, au professeur Louis Fradette du Canada, du Québec, Charles Barc de France à Shanghai, Romain Didguet du Luxembourg, à Hong Kong, Matt Morowski de Suisse à Lausanne, et puis tous nos remerciements évidemment aux consulats généraux qui se sont impliqués dans l'organisation de ce webinaire, la Belgique, le Canada, la France, le Luxembourg, à Shanghai, la délégation générale de Wallonie-Bruxelles, Swissness-China évidemment qui nous accueille, et nous espérons avoir l'occasion de vous revoir à Swissnext ou dans d'autres événements de la francophonie. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Merci à tous et à la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci bien. Merci à tout le monde, merci. Au revoir. Merci Gaëtan. Oui, merci, au revoir.